Bonjour. Bonjour. Comme Sœur Thérèse Marie l'a dit, nous étions 6 à participer à cette formation sur le campus du MIT qui se trouve à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Nous sommes tous présents. Il y a Monsieur Jimmy Fidler, qui était pour la biologie. Monsieur Jean-Génis Dorvilien, qui était pour les mathématiques, ainsi que Madame Gerda Jean-Guillaume. Il y a Madame Solide Alassin, qui était pour la physique, de même que Monsieur Albert Thomas, et moi j'étais pour la chimie. Donc, nous allons partager ce que nous avons reçu de MIT aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir Monsieur Jean-Génis Dorvilien qui va faire l'historique de l'initiative MIT Haïti. Donc, je vais passer le micro à Monsieur Dorvilien qui est professeur de mathématiques au Collège Matisse-Pressoir et au lycée de Cité-Soleil. Bonjour. Paul, dans un écrit que le fait à Corinthiens, il dit ma banon, j'en moi-même monté le soupoil. L'initiative-là, c'était formation de fait en créole. Et c'est ça que fait l'APCE introduit, comme MIT Haïti. Mais d'abord, on a commencé avec un problème qui existait depuis longtemps dans l'enseignement en Haïti. Jean-Noël écrit là, nous dit qu'en Haïti, nous avons un problème. Le problème, ça, c'est une cause qui est capable d'expliquer la situation sur le développement du pays. On a parlé d'un problème qui est là depuis l'existence d'Haïti comme nation. Le problème dans qui ça lié, nous avons en Haïti deux langues officielles, créole et français. Créole, là, c'est langue tout le monde parle net et comprendre. Français, c'est langue, un petit groupe restreint, tout petit, parler. Le fait que nous avons une langue, tout le monde parle, ça c'est une richesse qui est en plus de notre pays, il va gagner, faire une langue qui soude tout le monde. Et pourtant, qui s'appelle pas ça en Haïti? Paradoxalement, l'enseignement d'Haïti fait en français. Ça veut dire une langue qui fort si monde pas parler, une langue qui fort si monde pas comprendre. Et qui résultat de ça? Nous vivons à long terme. L'école en Haïti, c'est une école échec. L'école en Haïti basée sur étudier paquet sans comprendre. Résultat ça, qui s'allie encore, c'est une école qui produit citoyens qui pas qu'à transformer environnement, qui donc n'ont pas qu'à avancer. Nous pas appelé pour aucun monde ici retirer quoi dit non l'école pas parler pour l'échec. N'a parlé de une situation globale, donc en moyenne, nous regardons les résultats nationaux. Donc, constat ça, il me paraît plus grave pour nous lorsque nous connaissons une recherche qui fait dans une grande université de montrer que les gens apprennent plus bien l'enseignement Chita sous trois roches du feu de Guadalajara. Langue maternelle, apprentissage actif, dans le droit de bien, qui est apprentissage actif là, et ensuite, les deux bases ça reconnecté encore avec technologie. Les si vous avez ramassé connaissances qui sont solides, qui jambent. Connaissance ça,
la capable de transférer dans n'importe quelle autre langue, que ce soit anglais, français, allemand, l'aide besoin et la faire facilement. Et c'est dans chercher côté une solution à problème ça que l'initiative MIT Haïti a prend naissance. L'initiative là, c'est donc une tête collée entre MIT et des autres acteurs qui n'ont éducation, qui n'ont enseignement en Haïti. Et même qui ont arrêté le ministre Leslie Maliga de Blanc, qui établit un bureau dans un bureau MIT Haïti, qui chita dans le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. L'initiative MIT Haïti a déjà organisé environ 6 formations à l'autre professeur collègue Parayon en Haïti. Et dernier qui était fait là, il était fait dans le campus de Monade et Warren Christophe et Limonade. Ça veut dire qu'il y a un pile professeur haïtien qui déjà bénéficié dans la formation ça que MIT a fait, sans compter de faire formation tout avec le monde qui est dans le gouvernement. Dans le cadre pour pousser le travail là plus loin, dans le mois de septembre qui s'est passé là, 14 septembre 25, deux semaines, MIT a invité 6 parmi les professeurs qui sont habitués à participer dans la formation pour venir prendre bonne information avec des outils qui sont basés sur l'apprentissage actif qui marie la technologie et langue maternelle dans Boston, Massachusetts. Notre objectif encore pour nous partager les outils avec l'autre professeur haïtien par rapport ici. Pour faire le travail ça plus rural, enseignants qui ont participé dans la formation ont été formés un combit qui porte le nom combit MIT Haïti. Et c'est dans l'école Saint-Joseph-Image que le combit a eu l'occasion pour commencer à propager une belle vision ça qui est une seule école pour tout Haïtien. Donc nous souhaitons être capable de suivre et pour nous capables de voir qui nous vient comme outil, comme technologie pour enseignement capable de faire bien en Haïti. Merci beaucoup.